Aujourd'hui, je te parle pas d'un animé, mais je te parle d'un manga qui est incroyable. Tu peux le lire en scan très facilement sur internet. En plus, il est disponible en VF, donc là, je t'ai pris les versions japonaises. Mais tu peux le trouver très facilement en VF. C'est un site que je donne très facilement sur Twitter. Mon Twitter, erwanmanga75, n'hésite pas à venir voir. C'est un mangaka du nom de Juna Juice, qui fait des histoires avec les personnages de My Hero Academia. Et il en fait chaque mois. Donc c'est vraiment cool, il est très actif. En plus de ça, c'est pratiquement tout le temps en couleur. Du coup, c'est ouf, les graphismes sont ouf et tout ce qui se passe dans les histoires sont vraiment très très sympas. Là, par exemple, je t'ai pris un screen de l'histoire où c'est Izuku avec la mère de Bakugo. Il y a aussi une histoire où il y a Oshako, celle qui crache de l'acide, je sais plus comment elle s'appelle, et Tsuyu. Petit disclaimer, d'ailleurs, tous les personnages sont majeurs, hein, il les a fait vieillir, bien entendu. Du coup, fais-toi plaisir. En plus de ça, comme je dis, ils sortent des épisodes chaque mois. Du coup, il y a à chaque fois des nouveaux personnages qui font leur apparition. Et c'est vraiment très très cool à lire. Cette histoire-là, que j'ai kiffé, Tsuyu, elle est dans des tenues incroyables. Et puis, on va dire que son alter de grenouille, elle l'utilise vraiment très bien. N'hésite pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter, ErwanManga75. Je te donne plein de conseils et tout là-bas. N'hésite pas à venir.